qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Leonardo, maintenant que je t'ai retrouvé, ne m'abandonne pas, ne m'enlève pas la possibilité d'être avec toi et mes enfants. Je n'ai pas dit que j'allais t'abandonner. Et les enfants sont tes enfants. Tu ne les perdras jamais. Et toi, pourquoi je te sens aussi distant, comme si tu ne voulais pas de moi auprès de toi? Rebecca, s'il te plaît, comprends-moi. 5 années sont passées et j'étais seule avec les enfants. 5 années? Et cette femme est plus importante que moi, hein? S'il te plaît. Irène est devenue une personne très importante dans ma vie. Et elle a été toutes ces longues années à côté de moi à me soutenir. Je ne veux plus rien entendre. Ça me fait trop mal. Docteur. Je veux dormir. Comment allez-vous? Merci. Docteur, donnez-moi quelque chose pour dormir, s'il vous plaît. D'abord, je dois vous examiner. Ils m'ont dit que c'était un évanouissement. Parce que j'ai eu trop d'émotions. Ce que je veux, c'est dormir. D'accord. Mais calmez-vous, racontez-moi. Attends, une petite minute, mon garçon. Pour qui est-ce que tu te prends exactement pour demander des explications? Léo, Ferrandise. Et ne me parle pas comme si on était au travail. Ici, c'est chez moi. Et j'ai parfaitement entendu ce que tu étais en train de dire. Tu te moquais de ma famille. Ah, écoute, Léo, tu as mal interprété mes paroles. Franchement, je n'étais pas du tout en train de me moquer, et encore moins de ta famille. Tu sais très bien le respect que j'ai pour ton père, et l'affection que je vous porte à tous. Alejandra, s'il te plaît, ne sois pas hypocrite. Je sais parfaitement ce que j'ai entendu. Ah bon, d'accord, oui, j'étais en train de me moquer d'Irène. Mais seulement d'Irène. Et juste un tout petit peu. Un tout petit peu seulement. T'as pas changé, t'es toujours contre elle. Mais c'est elle qui a toujours cherché les problèmes avec moi. C'est elle qui est contre moi. Et depuis qu'elle s'est mariée avec ton papa, tout ce qu'elle fait, c'est de me rendre la vie impossible. Ce n'est pas le contraire? C'est elle qui veut me faire renoncer à ma place dans la société. Et que je m'éloigne de vous tous. Tu veux plutôt dire t'éloigner de mon père? Parce que de nous, tu n'as jamais été proche. Arrête, Léo, je n'ai aucune envie de me disputer avec toi. Non, vraiment, ça me fatigue. Mon problème, c'est Irène, et personne d'autre. Et franchement, je vais te dire une chose. Je suis ravie que ta mère soit de retour à la maison. Pour qu'enfin elle se fasse renvoyer comme une malpropre de cette famille. Ça, c'est ce qu'on va voir. Allez, Renra. Maman, mais t'étais où? Partie parler à Felipe à propos de la situation légale du mariage d'Irène. Comme s'il y avait des questions à se poser. Bien sûr que si, maman. Il faut absolument se renseigner. Et d'après ce que m'a dit Felipe, la situation n'est pas si simple. Explique-toi, parce que moi je comprends rien, et à la tête que tu fais, je commence à croire que c'est pas bon pour Irène. Alors, le mariage d'Irène et de Leonardo continue d'être légal, à moins que les deux ne se mettent d'accord pour l'annuler. Chose qu'évidemment Irène ne va pas faire. Et pourquoi pas? C'est pourtant bien la seule chose à faire. Se détacher enfin de cet homme et de sa famille. Sauf que là, tu oublies quelques légers détails.
Premièrement, c'est qu'Irène est très amoureuse de Monsieur Ferrandiz. Et deuxièmement, c'est que c'est sa maison et aussi sa famille. Oui, je pense la même chose. Non. L'unique famille et l'unique maison d'Irène Gutiérrez, c'est celle-là. Les Ferrandiz ne la méritent pas. Ils peuvent bien la garder leur morte parce que cette femme est sûrement pareille qu'eux. Maman, franchement, comment tu peux parler comme ça? Parce que c'est comme ça, c'est la vérité. Cette femme est revenue pour être avec son mari, dans sa maison, avec ses enfants. Ce n'est pas une question de... d'avocat. C'est le plus correct, le plus moral. Irène devrait prendre une décision sensée. Et toi, ça fait plusieurs années que tu travailles pour les Gutiérrez? Oh oui, attends un peu. Je suis l'avocat de Virginia depuis le début de son incarcération. Et l'avocat de sa famille aussi. Alors, elles doivent t'apprécier beaucoup. Oui, et moi aussi, je les apprécie beaucoup. Ce sont des femmes qui vont toujours de l'avant, vraiment. Et elles ont grandi seules, toutes seules et sans la présence d'un père, tu vois ça? Alors, c'est un petit peu toi l'homme de la famille. Oui, c'est possible. Mais elles n'ont pas besoin d'un homme, tu vois. Crois-moi. T'as qu'à voir le caractère de Madame Trinidad. Oh non, 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 non. Celui de la belle et entreprenante Irène. Je suis sûre qu'elles doivent bien t'aimer. Et je sais pourquoi. Eh oui. Ah oui. Oui, depuis que je t'ai rencontrée, je sais que tu es l'homme qui me correspond le plus. Et laisse-moi te dire que tu ressembles beaucoup à la femme de mes rêves. Ah oui? Oui. Comme personne ne m'informe de rien dans cette maison, je te le demande à toi, Consuelo. Comment va ma sœur? Comment elle se porte? Qu'a dit le médecin? Bon, il est en train de l'examiner, ils ne m'ont rien dit. Allez-y, vous, comme ça, vous saurez tout. Non. Non, moi je n'aime pas aller là où je n'ai pas été invitée. Et toi, où vas-tu? Eh bien, je vais demander à ce que soient ramassées toutes les affaires du jardin, y compris la table, comme ça, ça ne sera pas mouillé si jamais il pleut. Bien sûr. Et dis aussi aux femmes de ménage de monter les uniformes repassés des enfants et à Ansela qu'ils soient ponctuels pour les amener à l'école. Ah, parce que vous croyez que Monsieur Leonardo va envoyer les enfants à l'école? Avec tout ce qui se passe en ce moment à la maison, avec toutes ces émotions, toutes ces surprises que les enfants viennent d'avoir. Mais bien évidemment, Consuelo, tout le monde ici va reprendre sa vie normale. Bien sûr qu'ils vont à l'école. Je vous prie d'excuser ma sincérité, Madame Agustina, mais je ne pense pas que ce soit possible. Ça serait très difficile. Même le personnel est complètement perdu. Ils ne savent pas à laquelle des deux Madame Ferrandiz ils doivent obéir. Il n'y a pas deux Madame Ferrandiz, Consuelo. L'unique maîtresse de cette maison, c'est Rebecca, ma sœur. Et c'est uniquement à elle qu'ils doivent obéir. D'accord. Mais rien du tout, Consuelo. Tu peux en informer tout le personnel. Et celui qui n'est pas d'accord peut démissionner sur le champ. Et y compris toi. C'est bien clair? Bon. Pour le moment, elle dort paisiblement. Physiquement, je la trouve en forme. C'était sans doute une réaction émotionnelle. D'après ce que m'a dit Adela, son état mental est très fragile. Oui. Le docteur qui l'a suivi ces 5 dernières années m'a transmis toutes ses informations médicales. Si vous voulez, je peux aller vous le chercher. Non, non, ce n'est pas nécessaire, Leonardo. Je préfère qu'un spécialiste s'occupe d'elle. Vous avez quelqu'un? J'en connais plusieurs et je peux vous en recommander un si vous voulez. Très bien, je vous remercie. Bon, pour le moment, il faut la laisser se reposer. Qu'elle reste bien calme. Et surtout, s'il vous plaît, évitez les émotions trop fortes. Ah, on fera ce qu'on pourra. Cette situation est très confuse pour tout le monde. Oui, je comprends. Bon, je vous raccompagne jusqu'à la porte. Non, 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 je vais le faire, chérie. Toi, reste ici avec elle. Maman, s'il te plaît, toi, reste ici un petit moment, car j'aimerais également savoir comment se porte Irène. Ah, d'accord, très bien, vas-y. Allons-y. Merci, docteur, merci. Quelle plaisanterie. Merci infiniment d'être venu jusqu'ici, docteur. Je ne vous raccompagne pas jusqu'à la porte parce que j'ai besoin de savoir comment va mon épouse. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Vous devez la laisser dormir. Je ne vous parle pas de Rebecca, docteur. Ah, c'est vrai, désolé. Non, c'est moi qui suis désolé. Ce n'est pas une situation très facile à comprendre.
Ma mère a raison quand elle dit que cette situation est extrêmement complexe. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Ferrandis, je connais le chemin. Vous ne pourriez imaginer dans quel état je suis en ce moment. Tout va rentrer dans l'ordre. Demain, je vous apporterai une liste de neurologues et de psychiatres que je vous recommande pour Rebecca. Mais si elle se sent de nouveau mal, n'hésitez pas à m'appeler. Bien sûr. À n'importe quelle heure. Mm-hmm. Merci beaucoup. Irène ? Irène ? Irène ! Mon Dieu ! Oh, j'espère qu'elle n'a pas fait ce que je pense. Pas ce soir. Leonardo, laquelle de tes épouses as-tu perdue ? La numéro 1 ou la numéro 2 ? Alejandra, tes commentaires sont déplacés. En plus de ça, tu ne me fais pas du tout rire. Je ne comprends pas ce que tu viens faire encore ici. D'accord, je te demande pardon, Leonardo. Je n'ai pas voulu le dire méchamment. Si je suis encore là, c'est parce que je suis inquiète pour la santé de Rebecca. Je voulais attendre que le médecin ait fini sa consultation. Très honnêtement, pour le moment, je n'ai pas la tête à discuter de ce genre de choses avec toi. On en reparlera demain. Leonardo, mais si tu veux, je peux m'occuper de ça. Je peux me charger personnellement de rechercher quel est le médecin le plus indiqué pour s'occuper de ce cas particulier. Très bien. Rappelle-toi que c'est ma spécialité, la sélection du personnel. Oui, très bien. Occupe-toi de tout ça, ok. Maintenant, s'il te plaît, il est l'heure pour toi de rentrer à la maison. D'accord. Ce n'est plus l'heure de visite. D'accord. Bonne soirée. Comment va maman ? Eh ben, elle a prié et après s'être plainte 1000 fois, elle s'est endormie. Bien sûr, elle s'est endormie avec son fameux regard. Je l'avais bien dit, évidemment. Oui, maman nous adore. Mais elle a tellement de mal à exprimer ses bons sentiments. Oui, mais je crois qu'elle a beaucoup trop souffert. Et c'est pour ça qu'elle s'est forgé cette carapace, pour dissimuler sa douleur. Oui, tu as raison. D'abord, c'était par ma faute et maintenant, elle souffre pour Irène. Irène. Et dire qu'on avait toutes pensé qu'elle avait trouvé son prince charmant et maintenant, regarde dans quelle situation elle est. C'est vrai. Irène est persuadée que Leonardo va tenir parole. En plus, elle a confiance en l'amour qu'elle ressent pour lui. Le plus important, c'est de ne pas s'avouer vaincue. Non, maman. Parfois, c'est pas suffisant. Parfois, on doit aussi s'éloigner des choses qui peuvent nous rendre malheureuses. Aussi belles qu'elles puissent paraître et même si on croit qu'on les mérite. Tu dis ça pour Léo, c'est ça ? Oui. Je dis ça aussi pour Léo. Mais bon, pourquoi on profiterait pas du fait d'être un peu seul pour tenir ta promesse ? Tu m'as dit que quand je rentrerai de la maison des Ferrandis, tu me dirais toute la vérité sur mon père. Ça fait du bien d'être comme ça, de sentir la chaleur de ton corps. C'est exactement comme ça que je l'avais imaginé. Tu l'avais déjà imaginé ? Oh, et encore plus que ça. Je l'avais désiré. Beaucoup. Moi aussi. Je l'avais désiré. Et beaucoup. Et je crois que je le désire encore une fois. D'accord, alors on est deux, parce que ça fait un moment que j'en veux, moi. Ah oui ? Encore. Oh non. Non. Quoi ? Mon Dieu, c'est pas vrai, non ? Écoute, celui qui est là n'a qu'à repartir directement en enfer, parce que moi je vais... Ça me va parfaitement. Non, je... Felipe. Irène ? Qu'est-ce qui se passe ? Felipe.
Je me sens complètement perdue. Je me sens seule. Viens. J'ai besoin de toi. Tranquille. Je suis là. Calme-toi. Calme-toi, je suis là. T'inquiète pas. Ton papa a été une relation très courte dans ma vie, momentanée. Ça n'a pas vraiment duré. Explique-toi mieux, je ne comprends pas. Écoute, mon amour. Ce qui s'est passé avec cet homme n'a duré qu'une seule nuit. Mais de cette nuit-là est né mon plus grand amour, le plus grand cadeau de ma vie. La personne qui me rend le plus heureuse dans ce monde. Maman, je suis sincèrement désolée pour tout ce que t'as dû traverser. Mais ça veut dire alors que je ne suis pas la fille de Miguel Ferrandiz ? Non, mon amour. Tu n'es pas la fille de Miguel Ferrandiz. En fait, c'était le grand amour de ma vie, mais au moment où je suis tombée enceinte, on était déjà séparés et il était sur le point de se marier. Et un jour, ils sont venus me chercher pour me mettre en prison en m'accusant de cet assassinat. Tout ça juste parce que Madame Adela me détestait. Mais pourquoi elle te détestait autant ? En fait, ma chérie, elle était persuadée que Miguel et moi étions amants. Et elle avait d'autres projets pour son fils et des projets qui ne se sont jamais concrétisés. Cette femme m'a toujours détestée et c'est peut-être pour ça qu'elle croit que tu es la fille de Miguel. Mais je t'assure que ce n'est pas le cas. Donc alors ça veut dire que Léo et moi... C'est pas important, non? Peut-être juste qu'il me déteste parce que je suis ta fille. Parce que je ne suis rien par rapport à eux et... Ça ne changera jamais. Ah, ma puce. Tu es très jeune et tu as encore toute la vie devant toi. Tu trouveras certainement le grand amour de ta vie. Et si ton grand amour est Léo, je t'aiderai à te battre pour lui. Pardon. Je vous laisse. Non. Tu peux pas partir comme ça. Tu t'en vas nulle part. Et encore moins dans cet état, s'il te plaît. Irène, ne t'inquiète pas pour moi, ok? Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais je te vois très mal, alors ne t'en va pas. Pardon. Mais je me sens très mal. Ok. Oui. Okay. Entre, assieds-toi. Assieds-toi. Vas-y. Et calme-toi un peu, parce que je te sens vraiment pas bien. Est-ce que tu as du thé? Je vais aller en préparer. Oui, regarde, je dois en avoir quelque part dans la cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es partie à 7h de chez toi? Qu'est-ce qui se passe, Irène? C'est la fin, Felipe. Je ne voulais plus rester une seconde de plus dans cette maison. Je me sens trop humiliée. C'est comme si Leonardo voulait se débarrasser de moi. Non. Dis pas ça, il veut pas se débarrasser de toi. Mais le problème, c'est que... il se trouve dans une situation difficile. Et il se trouve face à la femme qu'il croyait morte pendant des années. Et c'est la mère de ses enfants, Irène. Je comprends, Felipe. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'est pas sincère avec moi. Pourquoi il ne me reconnaît pas en face d'elle. À quoi est-ce que je dois m'attendre? À ce qu'elle recouvre toute sa mémoire? Et si ça ne marche pas, hein, Felipe? Si elle ne la recouvre pas? Oui, tu as raison, c'est compliqué, mais tu dois lui donner du temps, s'il te plaît. Peut-être que Leonardo fait juste ça, le temps de voir à quel point l'état de cette femme est grave. Non, Felipe, non. Non, tu sais... où il m'aurait installé? Dans la chambre des invités, Felipe. C'est beaucoup trop humiliant. Écoute, j'ai besoin de temps pour réfléchir, moi aussi. Mais
Je ne veux surtout pas aller chez ma mère. Parce qu'elle va passer son temps à me dire qu'elle m'avait prévenue. Et en plus, Leonardo me retrouvera trop facilement là-bas. Felipe. Dis-moi. Je peux rester ici? Même si c'est seulement pour une nuit? Bien sûr, Irène, bien sûr que oui. Calme-toi. Reste tranquille. Bon. Elle s'est endormie. La pauvre, elle était très fatiguée, hein? Elle doit se reposer. Oui, je la comprends. Franchement, la situation qu'elle est en train de vivre est horrible. Je n'aimerais vraiment pas être à sa place. Oui, 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 mais c'est comme ça. Et tu sais pas tout ce qu'elle a dû faire pour maintenir cette relation et gagner l'amour des enfants de Leonardo. La pauvre femme, non. C'est vraiment très triste, parce qu'en plus, d'après ce que m'a dit sa sœur, cette femme est la mère des 5 enfants de son époux. Oui, oui. Et en plus, c'est pas une séparation par consentement mutuel, Paula. Ni un divorce normal, non, non. C'est un accident qui les a séparés. Et un accident très grave. Ah bon? C'était grave? Oui, extrêmement. Le frère de Leonardo est resté paraplégique. Waouh. La situation est terrible. On dirait une histoire d'épouvante. Très triste. Tu sais ce que je pense? Que quand une personne que tout le monde croyait morte réapparaît, ça devrait être un événement heureux pour la famille, non? Et je pense que ça le sera. Parce que je pense pas que Leonardo se plaigne de voir réapparaître cette femme. Mais c'est vrai que ça va lui changer la vie complètement maintenant, hein. À lui et aussi à ses enfants. Bon. Attendons demain, comme ça Irène aura les idées plus claires. Après une bonne nuit de sommeil, on pourra la conseiller sur ce qu'elle doit faire, sur les étapes à suivre et les chemins les plus judicieux. Bien sûr. Merci, mon amour. Merci d'être aussi compréhensive. Sincèrement. Merci de comprendre la situation. Non, tu n'as pas à me remercier. Hein? Tes amis sont mes amis. C'est rien. Merci beaucoup, Virginia. Je vous souhaite une bonne nuit. S'il te plaît, si jamais Irène vous contacte, dis-lui juste de m'appeler. J'ai besoin de savoir comment elle va, où est-ce qu'elle est. Merci. Bon, vous avez entendu. Elles ne savent pas où elle est. Où a-t-elle pu passer? Les gens de la sécurité affirment qu'elle est partie, ça fait environ 15 minutes. Ils ont voulu lui appeler un taxi, mais elle a dit qu'elle n'en avait pas pour longtemps. C'est clair qu'elle a menti, Consuelo. Et Virginia a peut-être menti, elle aussi. Je vais appeler Maria Lucia pour qu'elle me dise si Irène est à la maison. Pourquoi t'appellerais Maria Lucia? Tu es sourd? Tu n'as pas entendu qu'elle n'était pas là? Qu'est-ce qui vous prend? Ne vous disputez pas, votre père a besoin de soutien, pas que ses enfants se bagarrent comme des chiffonniers. Et voilà, elle ne répond pas. Et en plus, sa boîte vocale est saturée. Pourquoi elle ne m'a pas attendu? Je lui ai dit, je lui ai promis que j'allais revenir rapidement. Papa, excuse-moi d'intervenir, mais Irène t'a déjà trop attendu. Tu aurais dû être clair depuis le début. Et qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Papa était juste préoccupé par la santé de maman. Mais Irène est son épouse, et il doit lui faire ressentir... D'accord, oui, ok, vous avez raison tous les deux. Je me suis trompé, ok? J'étais en train de vivre un moment très difficile dans ma vie. Difficile pour vous aussi, pour tout le monde. Maintenant, le mieux pour tous, c'est de monter dormir. Ça suffit maintenant de parler de ce sujet. Demain, ce sera un autre jour, on verra. Maintenant, s'il vous plaît, allez-y. Monsieur Leonardo, vous ne croyez pas que vous devriez vous reposer? Consuelo, qu'est-ce que je vais devenir sans Irène? Elle ne peut pas partir maintenant. Juste au moment où j'ai le plus besoin d'elle. Sans Irène, je ne sais plus du tout qui je suis. Bonjour maman, ça va? T'as bien dormi? Non, pas très bien. Je dirais même très mal. Parce que je t'ai entendu hier soir parler au téléphone et j'ai compris qu'Irène était partie de chez elle et qu'elle n'était même pas venue ici. Ben, je ne sais pas, maman, mais peut-être qu'elle n'était pas prête à t'entendre lui dire 1000 fois « Je te l'avais dit, je te l'avais dit ».
et lui répéter encore et encore qu'une fois de plus, Dieu t'avait donné raison. Mais parce que c'est vrai. J'ai raison. Et ce sera toujours le cas dans cette famille. Regarde-toi, en train de courir avec cet uniforme pour aller dans cette société où tout ce qu'ils font, c'est humiliant. Maman, comprends une bonne fois pour toutes que je dois travailler. En plus, je vais pouvoir voir Irène. Et je vais pouvoir lui parler. Et la soutenir dans cette période si difficile. Quoi? J'espère qu'Irène ne mettra plus jamais les pieds dans cette entreprise. Elle devrait plutôt rentrer chez elle, où elle va trouver amour et soutien. Ça doit être ma fille. Je suis sûre qu'elle est venue parler à sa mère. Bien le bonjour, Madame Trinidad. Je suis là parce que j'ai vraiment besoin de voir Irène. Dites-moi la vérité. Où est-elle? Ah, Felipe. Tu n'aurais pas dû te déranger autant. Quoi? Mais non, je t'en prie. Non, non, t'inquiète pas. Pour moi, c'est un privilège de t'avoir ici. Et j'ai pas ce privilège tous les jours, franchement. Je te remercie beaucoup. Tout a l'air délicieux. C'est dommage que je n'ai pas faim du tout. Ah, tu vois? Alors là, on a un problème. La règle numéro un dans cette maison, c'est de tout manger. Et toi, d'autant plus que tu es enceinte, Irène. Oui. Cette grossesse, c'est la seule chose qui me fasse encore sourire. Et manger. Tu as déjà annoncé la nouvelle à Leonardo? Non. Non, non, j'allais lui dire, mais tout ça est arrivé et sincèrement, je ne sais pas si j'ai encore envie de lui dire. Bon, Irène, réfléchis bien. C'est son droit de père de savoir qui est son enfant. Ce que tu décides de faire avec ton mariage, c'est autre chose. Mais les droits de ton enfant t'obligent à bien réfléchir aux conséquences, Irène. Oui, je sais. C'est véridique ce que tu me dis à propos de ses droits. Et pour mon enfant, la présence de Leonardo est très importante parce que c'est son père. Mais notre mariage l'est aussi. Parce qu'il a accepté d'être mon mari. Mais avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours, je me rends compte que pour Leonardo, je n'étais qu'une solution. Un moment, une simple habitude. Mais je pense qu'il ne m'aime pas réellement. Ou du moins, pas comme moi je l'aime. Les enfants, vous pouvez vous dépêcher? Ansola vous attend pour vous accompagner à l'école. Mais je veux pas y aller. Moi non plus, je veux rester avec ma nouvelle maman. Moi, je veux voir Irène parce qu'hier soir, elle ne m'a pas lu d'histoire pour m'endormir et elle ne m'a pas fait de bisous. Écoute, Léna, l'histoire d'Irène, c'est fini. Ici, on ne va plus entendre parler de cette secrétaire. Et je te l'ai déjà dit 1000 fois, s'il te plaît, ne parle plus d'elle. Moi, j'ai envie de parler d'elle. Moi, j'aime beaucoup Irène. Et il est où, papa? S'il était là, il nous permettrait sûrement de pas aller à l'école aujourd'hui. Écoute, Tati. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, enfin pour nous. Et on avait prévu d'expliquer à notre maman tout ce qui s'est passé pendant les 5 dernières années où elle était morte. Ça suffit, vous allez à l'école et point à la ligne. Comme ça, vous apprendrez quelque chose d'utile. J'ai pas envie d'apprendre quelque chose d'utile. J'ai envie de voir Irène. Et moi, j'ai envie de voir papa. Et moi, je vais rester avec ma maman zombie. Mais toi, tu nous laisses jamais rien faire. Faites-y, ah ouais, faites ça. Allez à l'école, faites vos devoirs. Il y en a marre, blablabla. Ça suffit. Stop. Vous pouvez vous taire? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Après, s'il vous plaît. Je ne peux rien vous dire, monsieur Dame. Je ne peux rien vous dire. Faites moins de bruit, s'il vous plaît. Faites un peu moins de bruit. Sortez tous ces gens. Raphaël, ne les laissez pas entrer. Nous ne pouvons pas entrer dans cette maison. Non. Raphaël, c'est quoi ça? Une invasion médiatique, quoi? Faites partie de ces gens. Madame Ferrandi, question pour la télévision.
problème. Nous n'avons rien à déclarer. Allez-vous-en. Toi, tu vas m'entendre. Tu vas recevoir une sacrée punition. Qu'avez-vous à déclarer quand on retourne parmi les vivants de Madame Ferrandis? Messieurs, je vous demande de sortir immédiatement de cette propriété. Respectez au moins les enfants. Allez, Miguel. Ils sont mineurs et ils sont protégés par la loi. Monsieur Gérard, qu'est-ce que vous croyez? Nous sommes une famille décente. Nous ne voulons pas de ce type de scandale dans notre famille. Allez-vous-en d'ici. Madame, propriété privée. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Ça suffit. Sortez d'ici. Juste une déclaration. Faites-vous sortir, Raphaël. Madame, s'il vous plaît. Entrez, entrez, je vous dis. Vous avez vu tous ces journalistes? On aurait dit la soirée des Oscars. Consuelo, je veux que tous ces gens s'en aillent d'ici immédiatement. Oui, madame, mais c'est impossible. Ils ne veulent pas. Ils disent qu'ils attendent une déclaration. Quelle déclaration? Quelle déclaration? Ici, c'est une maison décente. Les affaires privées de cette famille restent dans cette famille. Ces journalistes ne peuvent pas être là à harceler ces enfants comme s'ils étaient des animaux de cirque. Mais nous, on veut passer à la télé, Tati. Mais on est célèbre? Non, on n'est pas célèbre. Non, on n'est pas célèbre. On n'est pas célèbre du tout. Ça, c'est notre vie privée et les journalistes n'ont aucun droit de se mêler de nos vies. Consuelo, sors et dis-leur qu'il s'en aille immédiatement de cette maison. Ou alors, c'est moi qui le ferai, mais avec la police. Non, je ne te mens pas, Leonardo. On est aussi inquiet que toi et... Irène n'a pas dormi ici hier soir. On n'a aucune idée d'où elle peut être. Bon, même si je le savais, je ne vous le dirais pas non plus. S'il vous plaît, Madame Trinidad, ne soyez pas aussi dure avec moi. J'ai besoin d'avoir une discussion avec elle. J'ai besoin de lui expliquer tellement de choses. J'aimerais bien qu'elle revienne à la maison, dans sa maison. Sa maison est ici. Et si vous lui aviez donné les explications dont vous parlez, la situation serait différente. Et vous savez ce que je pense? Je pense qu'Irène ne devrait plus jamais retourner chez vous. Occupez-vous de votre femme, la mère de vos enfants, et laissez mon Irène tranquille. Ce que vous me dites est très injuste. Et vous savez mieux que quiconque à quel point je peux aimer Irène. En plus, ce que je ressens pour elle va encore plus loin. Irène, pour moi, c'est comme l'air que je respire. Elle est nécessaire pour que je vive. Non, je n'ai jamais ressenti ça pour Rebecca. Irène est pour moi la compréhension, la confiance. C'est ma raison de vivre. Quand mon ex-femme Rebecca a disparu, oui, j'ai pleuré. Mais en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que je ne ressens plus pour elle ce que je ressentais au début, quand c'était typiquement encore tout beau et tout neuf avec elle. Mais ça n'existait pas, comme avec Irène. Il n'y avait rien, mais vous avez eu 5 enfants. Oui. 5 enfants que j'aime de tout mon cœur, et en plus un par un. Ils sont nés avec chez moi l'espoir de ressusciter cette passion du début qui était morte, qui avait disparu. Vous savez quoi? Vous direz la même chose d'Irène dans quelques années. Non, je ne crois pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'Irène est bel et bien ma partenaire. Ça va bien plus loin que tout ça. Quand Irène est là avec moi, tout est plein d'amour. Elle a transformé ma maison en un foyer plein de compréhension et de tendresse. Madame, écoutez-moi. Elle a même appris à me rapprocher aussi de mes enfants, à retrouver une vie de famille. Moi, sans elle, je suis perdu. Je ne sais plus quoi faire. Si se nota que te amo está en el viento. Tu es très perturbée, Irène. C'est pas bon de prendre des décisions dans cet état, avec cette colère. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Prends-toi un moment pour réfléchir, d'accord? Et ne ferme pas la porte à Leonardo. Non. Qu'est-ce que je peux attendre de plus? Je lui ai déjà donné une dernière chance pour régler toute cette histoire. Et regarde ce qui s'est passé. Il ne m'aime pas. Notre relation ne l'intéresse Irène, pas vraiment. Tu fais des suppositions? Non. Felipe. Ne sois pas injuste toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué à lui expliquer qui je suis? Et ce qu'il ressent pour moi?
Si la situation était inversée, je lui aurais tout raconté depuis le tout début. Je lui aurais raconté tous les détails. Parce que je n'ai pas de secret pour lui, Felipe. Mais il n'est pas comme toi, Irène, s'il te plaît. Combien de fois je t'ai entendu me dire qu'il avait du mal à te montrer ses sentiments? Dans ce cas, s'il n'est pas capable de surmonter ses propres limites, c'est parce que son amour n'est pas aussi grand qu'il le dit. Felipe et moi, je ne veux pas d'un mariage, ni d'un amour à mi-temps. Parce que c'est l'unique condition que je lui ai imposée avant de me marier avec lui. Avec moi, c'est tout ou rien. Et si je dois le partager avec cette femme, je préfère ne pas la voir. Non. Ah, bonjour, mon chéri. Merci, Martha. Bonjour, Martha. Bonjour, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Je trouve que tu te lèves bientôt. Eh bien, je vais devoir accomplir mon devoir de mère et de grand-mère. Ils ont besoin de moi en ce moment où tout est si confus, mon fils. Tu sais, je n'ai jamais été aussi d'accord avec toi. Tu dois les veiller de très près. Et pourquoi tu me dis ça comme ça, avec ce regard très préoccupé? Parce que je suis de plus en plus convaincu que Rebecca est une femme extrêmement dangereuse. Je le sais. C'est une sorcière très dangereuse, mais je ne la crois pas capable de faire du mal à ses enfants. Non, non. Tu as raison, maman. Celle qui se charge très bien de ça, c'est Agustina. Elle s'occupe de causer de multiples traumatismes à mes neveux et nièces. C'est bien que tu ailles là-bas. Surveille-les bien toutes les deux. Oui, tout le monde est perdu dans cette maison. Ça me paraît bien que tu y ailles, pendant que je vais au bureau pour continuer mes investigations. Investigations? De quoi? Je te raconterai quand tout sera en ordre, maman. Mais concernant l'étrange réapparition de Rebecca, il y a plusieurs choses extrêmement bizarres. Mais enfin, pourquoi ces gens de la sécurité ne nous préviennent pas? Ça doit être Juan Pablo ou Leonardo. C'est pour ça qu'ils n'ont rien dit. Bonjour. J'ai besoin de retrouver Irène. Sans elle, je suis perdu. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Vous n'auriez jamais dû vous marier avec ma fille. Madame Trinidad, j'aime votre fille. Je l'aime profondément. Oui. Je dois reconnaître que je suis un homme qui commet beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi je suis disposé à faire tout ce qui est nécessaire pour qu'elle se sente en confiance et pour qu'elle se sente maîtresse de notre maison. Irène est arrivée chez moi quand c'était le chaos. Et elle a transformé en une maison pleine d'amour et de compréhension. Et moi, je ne veux pas perdre votre fille. Et ça pour rien au monde. Vos paroles sont très belles, pleines d'émotions. C'est avec ça que vous avez attrapé ma fille. Parce qu'elle est une femme à l'écoute. Mais pour moi, ce ne sont que des paroles. Maman, s'il te Écoutez, plaît. Écoutez, monsieur Ferrandiz, vous devez le démontrer avec des faits, avec des actes. Et vous vous êtes très mal comporté avec ma fille. Ça, ce n'est pas vrai, madame Trinidad, non. Moi, j'idolâtre votre fille. Votre fille, je lui ai tout donné. Vous devez comprendre que l'amour ne se montre pas avec des vêtements, des bijoux, ni avec une grande maison. Ma fille a besoin d'autre chose de votre part, de l'attention, de l'amour, et ça, vous ne lui avez pas donné. Je sais très bien que je ne suis pas l'homme parfait. J'ai eu même quelques problèmes de communication avec elle. Et avec mes enfants aussi. Elle m'a fait voir tellement d'erreurs que j'ai commises. Et moi, j'ai essayé de les corriger. Je vous le jure. Irène m'a enseigné tellement de choses. Et le mieux dans tout ça, avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Parce que ma fille est une sainte femme. Et vous, monsieur, vous ne la méritez pas. Et ça me fait bien plaisir qu'elle soit partie. Et vous, arrêtez de venir ici nous demander notre aide pour qu'elle revienne. Parce qu'on est très contente qu'elle vous ait abandonné.
Alors, Irène, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas au bureau? Non. Honnêtement, je ne sais pas encore très bien ce que je dois faire. Il est très tôt pour discuter avec Leonardo. Je dois réfléchir et prendre mes décisions dans le calme. Bon, tu peux rester ici, hein? Ici, maintenant, c'est ta maison, d'accord? Tu as qu'à m'appeler si tu as besoin de moi et c'est tout, je serai là tout de suite. J'aimerais bien te tenir compagnie, mais j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Non, Felipe, s'il te plaît. Ne change pas tes plans pour moi. Je t'ai déjà dérangé hier soir, alors. Avec ta copine, je suis désolée. Non, c'est pas ma copine. Bon, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Et hier, c'est passé pour la première fois ce qu'on sait qui s'est passé, mais... Mais y a rien de sérieux, t'inquiète. Bon, j'espère que ça le deviendra. Moi, je la trouve très gentille. Et oui. Aussi, je crois qu'elle est très amoureuse de toi. Oui, elle me plaît beaucoup aussi, mais j'aime pas du tout précipiter les choses, Irène. Je préfère avancer doucement. Maintenant, le plus important, c'est de régler ton problème, ok? Le plus important maintenant, c'est toi. Merci beaucoup. Miguel, on peut remercier toutes ces caméras, parce que grâce à elles, on n'a pas pu aller à l'école. Mais alors, on est libre, on a toute la journée devant nous. Eh oh, ça, eh ben ouais, carrément. Ce n'est pas du tout ça, non? Depuis quand c'est une bonne chose de ne pas pouvoir aller à l'école? Ah, parce que vous croyez que vous allez passer toute la journée à jouer? Non, mais... C'est bon, Consuelo, ne perds pas ton temps, tu ne vois pas? L'influence de cette secrétaire, c'était le pire qui pouvait arriver à ses enfants. Hmm? Tout le travail que j'ai accompli pendant toutes ces années... Cette Irène l'a détruit en quelques mois. Irène est gentille et elle nous aime beaucoup plus que toi. Tu vois comme ils respectent leur tante? Tu te rends compte, Consuelo? Tu vois comment ces enfants refusent d'écouter ce que je dis? Bonjour. Oh, bonjour tout le monde. Comment vont les enfants les plus beaux de cette maison? Oh. Bonjour mes petits. Bonjour Léna. Rebecca. Bonjour Consuelo. Qu'est-ce que tu fais ici? Le docteur a recommandé que tu te reposes. Ah, franchement, je me sens très bien. Et qu'est-ce que c'est que toute cette agitation dehors? Qu'est-ce qui se passe? Maman, il y a beaucoup de journalistes dehors avec des caméras de télévision et des microphones et oui, tout. Oui, c'est ça. Et ils veulent faire une interview avec toi pour savoir comment t'es revenue de la mort. Mais à l'intérieur de la maison, tu ne crains rien, Rebecca. Ne t'inquiète pas. Ces gens-là n'entreront pas dans cette maison. C'est hors de question. Et si jamais ils essaient, j'appelle la police. Pourquoi tu dis ça, Agustina? Je ne vois rien de mal à ce que les gens connaissent la vérité. Et la personne la mieux placée pour la raconter, c'est moi. Tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué? No entiendo. ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que?